Mesdames et messieurs, pour l'autre fois, nous souhaitons bienvenue au Sous TV La Caille. Si c'est pour la première fois, vous visitez le canal ça. Et ceux qu'on habitué à visiter déjà, mais on pas jamais abonné ou pas jamais donc été connecté. Donc c'est pas hasard. Et bien, vous croisez le canal ça. Et bien, Abdou, rete sur nous, abonnez avec le canal là pour pas jamais faire erreur ça encore, pour pas jamais rater information, quel que soit les nous poster, quel que soit les nous live, pour recevoir notification, c'est seulement activer la cloche notification, retirer le sous, personnaliser, mettre le sous tout, et c'est ça qui permet de recevoir tout message qui dit ou les nous live ou bien nous poster une vidéo sur TV La Caille. Son plaisir pour nous avec vous encore une fois. On a profité de remercier généralement, j'en toujours fait, tout ces là qui ont été connectés avec TV La Caille, tout ces là qui par exemple lagué nous, qui fait une confiance et qui toujours attend qu'il ait TV La Caille à porter une information, porter une vidéo pour vous. On a dit merci parce que vous faites confiance. Dans le dossier Bandit Savier, nous connaissons depuis les Hauts de Mamoui, où tu as dit que Bandit Savier pour un méchant Carlotte Marassa. Par rapport avec comment nous avons dégradé, problème, misère, nous pas qu'à manger. Eh bien, bagaille la compliqué, mesdames et messieurs. Eh bien, je dis à la, donc, par rapport avec ça qui a traversé dans le pays d'Haïti, eh bien, t'as qu'à un gros palto en dans le palais national qui c'est Alex Elian, qui c'est responsable logistique en dans le palais. Et c'est monsieur qui a arrangé, je ne dis à la, pour faire madame quête dans Bandit Zaro, en dans base Grand Griff, dans le département de la Dimonitlan, et puis précisément dans sa vie, eh bien, qui c'est nous propres avec Luxon. Et le moment même n'a parlé à la madame Nexaou déjà, eh bien, presque ou bien si ou pas déjà arrivé dans le pays Mexique. Mesdames et messieurs, bagay la compliqué jodi à la, eh bien, information lagué et nous même n'a poté le pour ou. Et c'est job nous, son devoir nous baye tête nous, c'est informer sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti concernant bandits, concernant eh bien, les politiciens. Eh bien, depuis information tombée, n'a poté le pour ou. J'en nous dis là, mesdames et messieurs, dans le moment même, n'a parlé à la madame de Green Bandit Zaro et capitaine Guillot. Encore, nous pouvons avoir une information. Déjà, quitté le pays d'Haïti et nous avons là à préparer en bas, dans quelques jours encore, pour eux même filer les L4 parce que, bagay là, pas bon pour nous en dedans, la Tibonite. Nous allons vite entendre. Vous êtes connectés, nous allons tourner pour une prochaine vidéo. Bon, et tant que ça avant, et madame Luxon, et puis avec madame Otrop qui était pays là. Et madame, monsieur, donc, pas oublier, donc, ou même qui t'a aimé faire on, quelque chose pour nous, et pas oublier, donc, on quitte le pays, et mardi, et madame Luxon, et puis avec, madame, Notrop, yo quitte le pays, mardi, hein, donc, yo prend avion, non, et porte, Port-au-Prince, là, et ça nous relie, et porte tous une ouverture. C'est là, il prend avion pour aller direction Mexique. Y aller, donc, au Mexique, Marie Milan, donc, Telusma. Merci en pile, tout le monde qui branche aux États-Unis, merci en pile. Et madame Odma, et madame Otrop, et puis madame Luxon, avec toute petite yo, yo prend avion, non, et porte, bien sûr, Port-au-Prince, yo prend direction Mexique, actuellement, yo Mexique, mesdames, messieurs. Eh bien, c'est deux agents USGPN, non Prado Noir, qui c'est véhicule Alex Elian, qui t'est accompagné, qui a le météo, et pote, et puis pravion, pour direction, donc, Mexique. Pour qu'on y a là, madame Anthrop, et puis madame Luxon, qui prend avion, mardi, nan Joudéan, nan la Coupe Port-au-Prince, pour direction Mexique. C'est deux agents USGPN, non Prado Noir, qui c'est machine, Alex Elian, qui t'est accompagné, tout prend, et direction Epote, actuellement, mesdames Sayo, y a vive dans le pays Mexique, côté Mario, en Haïti. Alex Elian, qui a arrangé le voyage là pour yo, puisque Alex Elian, lycée, y a un non-responsable logistique dans le palais national, ligué à agence de voyage, qui c'est Image Haïti, agence de voyage, Alex Elian, qui c'est un gros tonton, le supporteur bandit dans sa vie, et c'est lui-même qui était accueilli, madame Luxon Lakaili avec madame Otrop qui range voyage. Actuellement, yo rentré dans le pays Chili. Donc, chaque, et mesdames sa yo rentré avec petit yo. Donc, côté Otrop avec, eh bien, et donc, les citoyens qui les Luxon non, qui vini occuper poste Odma après Odma mouri. Actuellement, mesdames sa yo, y a vive dans le pays Mexique. Est-ce que Odma,
Et lui-même, madame ni, lui quitte d'ailleurs, est-ce que gagne une chance tout lui-même pour lui rendre et bientôt dans un pays étranger? Donc, nous pas connaît. D'après information que nous gagne de très bonnes sources, il était déjà alerté la police que madame Luxon et madame Otrop tapent dans les potes là. Eh bien, et l'information arrivée by la police pas fait cas. Information, mesdames, messieurs, et puisque Paris National, donc, impliqué dans voyage, mesdames, messieurs, et pour qu'on y ait, et qui t'a doué, mesdames, ça y est, t'a doué, non, mais la police, jusqu'à maintenant, puisque, mesdames, ça y est, l'heure où kidnappé moun nan, ça vient, c'est mesdames, ça y est, qui accueille moun yo, et puis, ben, yo, ba yo manger, et la tri, madame Luxon, et madame Notrop, actuellement, qui, dans pays Mexique. C'est ça, Kaïtia. Mexique, c'est ça, Mexique, m'en dit. Mexique, Mexique, pas Chili, Mexique, bien précisé. Le jour, Kaï Alex Célian, dans Port-au-Prince, c'est puisque après l'an mort, Oudma, mesdames, ça y est, t'es obligé, donc, rentrer Saint-Marc, de Saint-Marc, y'a t'es venu chercher ma machine divine pour y'a, pour y'a t'es qu'à rentrer avec yo Port-au-Prince. Pas oublier que, madame et Luxon, maman Saint-Marc, ainsi que maman, non, trop tout, effectivement, Saint-Marc. Tout d'après ça, nous apprenons et gagner maman et famille Odma en pile là dans le Port-au-Prince, surtout Odma Guillon seul, lui-même qui m'en beau. Eh bien, là, actuellement là, donc, mesdames, ça y est, il est bien posé dans le pays Mexique, voyez, dans le pays Mexique. Et puis, il y a tant de Mario Vini. Est-ce que Alex Elian pour l'arranger tout, vous le voyez? Eh bien, et monsieur, il est parti tout, nous pas connaît, puisque, gon éventuel, eh bien, accord cassien entre Jean-Denis. Et puis, next, ça vient. Mais attention, on dit non, pudent, parce que, à quoi ça, c'est pas un bon accolier, sauf que m'pap dit ça m'conde à quoi. Et parce que, information m'gagne, en général, m'oblige qu'il y ait le secret. Et gwozin pral boui, nan, la République, mesdames, messieurs, avec forme à quoi ça y est, next, Jean-Denis, avec next, ça vient. T'as arrivé, join, mesdames, messieurs. Et, ou même pas voulu parler, parce que m'pap voulu parler, en général, pour, personne pas vin dim yo pas et eh ben et tande ça m'te dit. On nous venir pour dossier eh bien et barbecue dossier et belle là avant nous voir toute question et dossier pasteur d'Alus parce que là pendant pas là voilà m'a recueilli et justement donc en pile les informations madame monsieur. Et moi t'ai déjà annoncé question guerre là question au donc à massacre BLR là m'annonce et si gen moun ki capable témoigner ça que au témoigner m'te déjà annoncé ça pral passer BLR là m'te gagné de très bonnes informations jodi a et merci à pile et Pino Pep m'salue Pino Pep jodi a nous pral bay détail sous ça passé donc dans zone là et peut-être que nous capables yon nan moun qui pral expliquer et ça passé dans zone nan très très bien et qui ça qui dit ça fait pour qui ça barbecue ainsi que Manilo nèg yo volonté que yo gagnent c'est pour yo accaparer et Belair en général Platon Belair et Timas ou Yel Maya et la crier. Seul moyen pour accaparer les zones, mais c'est craser Belair en général. Gon rencontre qui était faite dans la base Manilo, dans la base cracher du feu. Eh bien, côté que vision, c'est pour mettre Belair plate et puis installer un nouveau chef Belair pour gagner contrôle les zones, pour question référendum et pour question élection. Parce que vision G9 et PHTK, c'est battre pour que dans chaque zone, yo yo installé, par exemple, un chef, pour que même si Jovenel pas arrivé faire élection, quelle que soit l'élection à fait, eh bien, bandit sa yo ap capable accaparer élection en main by PHTK. Qui fait que le dossier arrivé au niveau Paris National, et m'te expliqué, elle m'a dit, Jovenel pas d'accord pour écraser et Belair parce que monsieur dans situation difficile même dit tout c'est pas vrai Jovenel agit pas anticipation en façon que pour monsieur pas porter charge là
Mais Luxon Janvier, lui-même en général, qui baille un fort avec bataille là, monsieur très confortable. Et c'est pour ça, c'est sous Luxon Janvier, Manilo déclaré que président Pavle, qui parlait Pavle. Donc, lui jeune support Dimitri Ra, lui jeune support Luxon Janvier, il a crasé Belè pour installer nouveau chef. Mais mon yote besoin installer, donc, et Platon Belè là, monsieur le Davidson, mais monsieur mouri. Monsieur le Davidson, mais monsieur mouri dans la guerre hier soir. Oui? Dans l'affrontement que tu as gagné entre Nèg Belè et Nèg Platon Belè et Nèg Krachi du Feu, monsieur prend balle, monsieur mouri. Donc, mais comment début guerre atteint? Dans la journée, Manilo relè Jeff. Jeff ça, c'est monsieur qui t'a fait antenne, là où t'as touillé Mette Doval. Et son type qui qu'on amené bien, et monsieur qu'on volant très bien tout. Ma propre. Gagné deux antennes dans base là, et même Jeff Saatou, il était participé dans touillé Mette Doval. Et touillé Mette Doval, il était participé tout dans touillé Percy Molly. Monsieur, c'est nèg base craché du feu. Gon lot piti, monsieur le Ernst, c'est un nèg tout qui baille, qui sont franc tireur. Mais majorité, justement, à qui fait yo, c'est toujours Jeff là qui fait antenne. Des fois, c'est lui qui pilote véhicule yo. Le, yo tapri al touye Mette Doval, c'est monsieur qui te pilote véhicule là. Voyez, c'est Jeff là. Voyez, c'est Jeff là, le a tourné. Parce que monsieur fait antenne là, le a tourné, c'est lui qui prend volant pour le retourner à Negio. Maintenant, depuis la journée, Manilo fait appel avec Jeff. Sous yon motocyclette, Manilo voulait acheter 10 gallons gaz. Moi, je demande pour nous partager mission et m'a baye tout détail. Mais nous, quand on s'amie, moi-même, toujours dit, dès que je ne sais pas, je ne vais pas parler de lui. Mais dès que je connais, je vais baye détail. Yon voulait acheter 10 gallons gaz depuis la journée. Et Manilo te dit, passe l'ordre pour plusieurs mouns. Justement, te quitte espace là, et puis, ou retire les affaires, ou mettre quelques côtés. Gen moun qui retire Agrin Essentio, gen qui retire Kat Demalog, gen qui retire Rad, mette quelques côtés. Donc, parce que le connaît, li pral frappe. Maintenant, genye trois groupes moun qui voyaient soldats by Manilo. Genye Tisson son nan ou ce matin. Genye Ti Junior, li même la Saline qui voyait soldat et barbecue. M'bral explique, ou après, par exemple, gen de moun qui mourit nan camp barbecue. Que barbecue te voyé vin goumen avec Manilo, pour Manilo, justement, avec Nèg Belè. Eh bien, mon dit, c'est oui, c'est matin, Tisson son, Iska, dans la saline, et Ti Junior, dans la saline, et puis, gagné barbecue dans Delma 6. Gagné environ, 150 nèg, qui mêlé, tout nèg sa yo, mêlé avec nèg base caché du feu, qui te ban au total de 150 nèg, c'est yo qui était justement prêt pour combat et pour al goumen. Donc et goumen démarré et barbecue était là en personne. Attendez oui, barbecue était là en personne et m'galdou et justement et comment barbecue et lui-même était habillé. Barbecue te mettait un maillot Lacoste noir. Barbecue te mettait un maillot Lacoste noir. Et monsieur te mettait un pantalon minusta camouflage. C'est-à-dire, li mette un camouflage minusta yo, et puis un maillot Lacoste noir. Te genye Manilo en personne qui était là. Manilo lui-même était campé dans point rue débouché docteur Aubry avec un 9 mm dans mel. Barbecue lui-même, monsieur te genye et ça me genye comme information, yon M4 dans mel. Barbecue, Manilo te genye un 9 mm. Et puis, monsieur te gagné un M4 dans mes on maillot Lacoste noir, et puis on camouflage minusta sous lui. Barbecue te là en personne. Et je ne vais pas préciser qui côté monsieur te posté, mais Manilo lui-même te posté dans débouché, oui, docteur Aubry. L'altémie te posté. Entre temps, soldat yo a progressé, par exemple, vers lycée Pétion, vers toute coin zone, puisque on n'aime pas trop coin zone ça, ou bien pas là-dedans, mais par contre, non, bien en général. Parfait. Donc, nous dit, bataille là, lui-même, lui démarrer, mesdames, messieurs. Donc, nous dit,
Et nous gagnons notre yo là, parce que nous pas voulu, et bien, menti, les bandits qui mourent dans la base Manilo. Puisque, gon conférence de presse que Barbecue Bay vous dit, Barbecue Bay en pile menti. Puisque, moun Barbecue dit qui mourent, yo pas existé. Et d'après information que nous gagnons, pendant qu'un bandit qui a un soldat qui mourit, et puis pour le révéler l'identité, ça pas existé. Mais nous-mêmes, comme nous-mêmes, nous sommes mettre information sous la tébini, donc nous cherchons, nous jouons information ça. Lise bandit qui mourit dans la base Manilo. Donc, gagne Ezekiel ça lui-même, lui c'est soldat Barbecue dans le Massis, que Barbecue te voyé renfort à Manilo. Gagne Davidson. Davidson ça lui-même, monsieur c'est soldat. Donc, Manilo, c'est lui qui t'a installé dans Bel Air. Toutefois, il t'a conquéri Bel Air. Ma propre. Ezekiel, Soso Delma 6, monsieur Mouri, c'est soldat Barbecue. Gagne Davidson, c'est petit craché du feu. C'est lui qui t'a installé donc dans Bel Air une fois que yo prend Bel Air. Troisième soldat Mouri, monsieur Le Matizo. Matizo, ça, c'est soldat et T Junior. Qui sont la saline qui était en renfort avec Manilo. Gon l'autre soldat il était mort tout, monsieur les zéro, mais zéro pas mouri parce que nouvelle la courir que zéro mouri, mais non lendemain. Non demain matin et donc matin hein? Donc bah alors c'est hier matin hein? Eh bien yoé donc zéro bel et bien. Zéro ça lui-même, monsieur c'est bandit la saline toujours, li sorti dans Cantu Junior. Bref, et gagné de l'autre innocent et qui t'a mouri toujours on certain de Toto et puis avec on femme qui relait Marjorie deux moun sa yo mouri dans camp donc et Manilo mais deux moun sa yo c'est deux moun qui innocent mesdames messieurs. Et bien moun qui mouri dans Platon Bel Air gagné on certain de Ti Joël qui mouri dans Platon Bel Air gagné Fanfan qui mouri dans Platon Bel Air bien Alexis qui mourit dans Platon Bel Air, gen Kebro qui mourit dans Platon Bel Air, moun sa yo ta considéré yo comme c'est des bandits. Sans pas compter par exemple, si innocent qui mourit, jeune ti fi 20 ans qui mourit. Donc, gen un citoyen yo prend tout vivant. Citoyen ça rele John. John ça, monsieur c'est famille Manilo. Mais vrai monsieur Gonti non qui rele Pi Willy. Ma propre. Nèg Manilo yo prend un soldat nan Bel Air tout vivant. D'accord? Yo prend un soldat nan Bel Air tout vivant. Monsieur rele Pi Willy, mais vrai nom monsieur c'est John. Yo prend monsieur tout vivant. Yo descend nan base craché du feu avec monsieur c'est famille Manilo. Mais monsieur t'est touyé un cousin Manilo tout qui donc famille. Monsieur t'est rele Kerry. Lik te touye Kerry, parce que Kerry c'est cousin Manilo, li men c'est famille Manilo, yo prend monsieur tout vivant, actuellement. Monsieur nan base crache du feu, soldat kap veye monsieur arele Nathan, kap veye, et John P. Willy, yo prend tout vivant, nan guerre là, nan Platon Bel Air, hier, soir. Actuellement, et à soir, yo ta supposé, donc rentrer John P. Willy nan foua, nan base crache du feu. Ma reprenne vous. Nous dit, yo prend un soldat tout vivant dans Bel Air, monsieur rele Pi Willy, vrai nom rele John. Monsieur c'est famille Manilo. Mais monsieur était touyé, yon cousin Manilo te rele Kerry. Actuellement, deux pieds monsieur maré et deux bras maré dans base crache du feu, à soya yo supposé rentrer monsieur dans foua. Donc, moun kap surveye monsieur ya, son soldat, qui nan base crache du feu, monsieur le Nathan. C'est Nathan kap surveye, eh bien, donc, Jeff, et kap surveye, eh ben, et Nathan kap surveye John, pour le moment, qui pote ton tinon, donc, Pi Willy. Donc, en fait, nous voulons en général pour moun yo partager mission, hein? Ah, mes amis, partager mission, hein? Nous dit partager émission hein? Parce que nous voulons que pour moun yo tande ça dit yo, nous voulons pour yo tande ça dit yo, parce que nous même nous pas nan voye monter à personne, tout ça nous dit donc c'est vérité, tout ça nous dit c'est vérité.
Maintenant, nous dit, nous baille non lisse, nèg que bandit tant qu'ou babé écouté dit, ça babé écouté dit, ya c'est faux. Li pa gen rien pour wè dans forme de conférence de presse, monsieur Tabay Odian d'ailleurs, monsieur pas même fait mention à nèg sa yo qui t'a vrai mouri. Et monsieur dit tout. Et c'est moun donc et Platon Belleur qui t'a attaqué yo. Faut yo même yo fait défense, c'est pas vrai. Son question territoire cap réglé et nous t'étant qu'on est depuis non la veille jour guerre là nèg yo t'a graissé démonter 5 M4 c'est 5 M4 nèg yo t'a graissé et m'te t'étant même pensé guerre là t'a supposé commencer depuis mercredi soir li pat doit fait hier voyez c'est mercredi soir c'est mercredi après-midi nèg yo fait journée hein y a graissé zam yo y a graissé zam. Et puis, y a metti tout bagay en branle. Et puis, hier matin, l'agent bay pour yon acheter gasoline pour yon kap mene opération. Donc, là, nous dit, pas oublier, Davidson, monsieur mouri hier soir. Monsieur mouri hier soir, et vers les 8 heures. Parce que, nèg yo, yo te en attaque. Puisque, m'de gen l'information, m'de dit que personne moun Belleur, pas domi Belleur, fait en pile prudence parce que, nèg yo prévoit pour yo justement donc attaquer eh bien et Belleur. Donc le Davidson prend balle. Donc monsieur obligé reculer, laisse à Manilo mandé et monsieur soldat yo pour yo traîner. Donc Davidson justement retourne dans base et puis replier. Donc monsieur te bay jodi a sorti 11h pour arriver eh bien 4h après-midi. Tout le monde doit marcher, tout le monde doit mener activité, mais après 4 heures passées, donc personne ne doit prendre la rue, laisse à Sénégio qui prend la rue. Maintenant, nous dit que gagné environ plus de 60 nègres qui sortent la saline avec la base Mikanor, actuellement qui rejoignent eh bien base crachée du feu dans le moment que n'a pas été là. Donc maintenant, tout soldat te mené opération yo, yo tout te obligé à dormir. Et puis, entre temps, nèg qui renforce base là hier soir yo, qui pas goumé en pile pendant journée yo là, c'est yo qui a fait poste donc matin. Donc, à soya, li possible pour gagner un gros laisser frapper. Donc, nan Belleur, j'en dis à c'est pour une question de territoire parce que nèg yo vle accaparer donc Belleur, donc, et quel que soit Jean, donc yo vle ya. Nous dit barbecue t'es là en personne et même Nathan t'a dit ça tout à l'heure Nathan ça monsieur Payon nan moun tou qui était là sous motocyclette deux courses qui t'a touyer Percy Moli eh bien nan moun yo accusé et qui t'a fait action et sourd eh bien et Percy Moli mais c'est monsieur qui a peur et surveillé John actuellement John nan menèg barbecue et nan menèg et Manilo yo nan base crache du feu Babelair derrière la croix c'est là justement nèg gen base yo donc et gen pile gen coup de fil k'ap fait par exemple famille Manilo k'ap fait un pile coup de fil là pour voir comment était capable essayer et libérer John puisque John lui-même li c'est famille Manilo donc Manilo dit lui-même pas gen la vie pour John donc monsieur t'a supposé bouler à 6h à 6h mon croix d'après toute information vinn joine moi et sous radio Intrépide International eh bien monsieur t'a supposé bouler à soya donc vers les 6h et à soya donc qui ça qui dit matin ça dit matin c'est que et avant-hier moi t'ai dit ça moi t'ai dit que t'ai gagné 3 policiers et administratives qui t'ai descend dans base crachée du feu. Ça t'est passé mardi. Personne pas connaît qui ça ou t'a réglé. Toi, policier, ça y est, t'es rencontré avec Manilo. Non, tête à tête, t'es gagné. Tout de suite après, t'es venu gagner barbecue, t'es venu paraître lui-même. Eh bien, rencontre l'a été faite entre 3 policiers qui étaient en uniforme crème et bleu, et Manilo, et puis, donc, barbecue. Moi-même qui sais rat information, m'pas qu'à dire effectivement qui ça. Qui te discuté effectivement dans la base là? M'ba konnen. Et, mais jodi, et, comme nous connaît
et gang bon nèg nan pouvoir qui gagne mémise sous question et gang sa yo, c'est au cap contrôler yo, qui fait que vision an, j'aime dou déjà ça discuter dans base là dans rencontre qui t'est fait et deux jours avant action en passé bilère. Et c'est pour ça mon tégi t'a gagne information de nan dimanche et lundi on t'ai partagé dans émission fouli. J'ai me dit attention mon Belair, pral gen courri Belair, situation pral compliqué. Attention. Gè sa l'a duré pour pipiti 15 et 22 jours. M'a dit encore pour nous. Il a demandé que la police bon policier kenèt ki nan pouvoir mais ki honnête, si kenèt ki honnête parce que m'pa wè nèg konnèt la nan pouvoir. Que yo pote secours à mon Belair parce que gè sa l'a